on peut le résumer ça, on est des chasseurs de presque accidents, quoi. C'est une société qui a été créée pour essayer de baisser les risques d'accidents sur les lieux dangereux. On propose plein de solutions techniques pour améliorer la visibilité dans des centres logistiques, c'est-à-dire qu'on équipe électroniquement des personnes, des chariots, ils se reconnaissent et permettent d'éviter des collisions entre chariots ou bien entre chariots et personnes. Nous avons commencé par utiliser la caméra, la vision, qui nous a apporté des bonnes solutions pour essayer de comprendre ce qui se passe sur ces lieux dangereux. La caméra, elle travaille avec un algorithme qui permet de reconnaître des situations dangereuses. L'algorithme permet de filtrer les séquences intéressantes qui permettent après de réagir très rapidement. C'est de développer ce savoir-faire qui est dans le prédictif, quoi. Avec les signaux, les datas que nous récoltons, on en sait beaucoup plus que la plupart des gens et responsables dans une société. On intervient dans les hôpitaux psychiatriques, dans les chambres d'isolement. Ce sont des chambres où les personnes qui sont en crise sont enfermées quelques heures ou quelques jours pour être à l'abri de toutes sortes de stimuli. Mais l'absence de stimuli peut être aussi dangereuse. Et nous avons développé donc un système qui va dans ces chambres de soins intensifs, qui est intégré dans les murs, qui permet à la personne de choisir elle-même ses morceaux de musique.